Avant, j'avais deux personnes pour faire 20 colis jour entre les sorties. Maintenant, j'ai deux personnes pour faire 200 colis jour. Donc là, il y a un gros gain parce qu'on a un meilleur rendement et on a moins de fatigue aussi des collaborateurs, alors qu'ils font plus de colis. Les pics de commandes sont toujours stressants. Par contre, on est serein sur le fait que justement on n'oublie aucune commande, on traite toutes les commandes. On est serein grâce à Shippingbo sur le fait de les traiter dans le bon ordre, de les clôturer partout, chez tous nos marchands, chez tous nos clients. Donc sur cette partie-là, on est tranquille. Les équipes logistiques ont pris en main hyper facilement parce que c'est ludique, c'est ergonomique. Voilà, en plus des équipes logistiques qui pour certaines avaient déjà travaillé, enfin des personnes qui avaient déjà travaillé avec des logiciels pas du tout ergonomiques, un petit peu vieille école, donc là ça paraissait hyper simple. Pour des gens qui m'ont dit en plus je suis pas lasse de l'informatique et franchement là j'adore, c'est super simple. Dès qu'on a dû faire les premiers pickings, je me suis dit ah c'est génial. Plus de perte de temps, on sait où on doit aller. On a juste à vérifier que ce soit le bon article et encore, même un enfant de 10 ans pourrait le faire. Bah, ça apporte en fait de l'autonomie à nos opérateurs. Hein. C'est simplement que eux, sur leur outil, sur leur tablette, ils ont directement les commandes, les bons de préparation, les emplacements des produits et sont complètement autonomes. Ce qui nous permet, nous, de prendre du recul et aussi, si jamais on a un opérateur qui, demain, est amené à être absent, peut être remplacé assez facilement puisque l'outil est simple, intuitif et qu'il est dans une autonomie totale. Et de la visibilité aussi. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ils n'avaient pas de visibilité sur les commandes qu'ils avaient à franchir au quotidien. On leur donnait les étiquettes tous les matins et voilà, ils se débrouillaient. Là, c'est vrai qu'ils ont une vision beaucoup plus globale et ils peuvent anticiper un petit peu aussi leur journée, la préparer mieux en pouvant gérer tout ça. Aujourd'hui, on a une équipe de 25 personnes. On était 6 il y a 5 ans quand j'ai repris l'entreprise. Et en fait, sur des périodes de pic comme Noël, là, on est monté jusqu'à 45 personnes dans les entrepôts. Et donc c'est hyper dur en fait de gérer autant de monde, de nouvelles personnes qui ne connaissent pas nos process. Mais en fait la seule partie qu'on arrive hyper facilement à leur expliquer, c'est la partie expédition de commandes grâce à Shippingbo. En fait c'est très intuitif et ce qui fait qu'en quelques minutes, maximum une heure, un intérimaire qui vient d'arriver est autonome sur la solution. Ah, c'est de la rapidité, enfin, c'est beaucoup plus fluide. Au niveau de la préparation de commande. Enfin, je sais où je dois aller chercher mon produit, donc c'est un gain de temps, je marche beaucoup moins, enfin, c'est moins fatigant à la fin de la journée. C'est un métier qui quand même reste stressant avec les volumes, donc si en plus la solution technique ne marche pas, c'est d'autant plus stressant. Donc nous, c'était c'est une des briques essentielles Shippingbo dans la stabilité et dans le bon fonctionnement de notre logistique. Et pour mes équipes, en fait, avant, c'était, même si on expédiait peu de commandes, en fait, c'était très compliqué, très chronophage. Depuis Shippingbo, en fait, ils font complètement confiance au logiciel et on expédie, on a réduit notre taux d'erreur de manière considérable et surtout, ça se passe de manière fluide. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shippingbo, un langage unique, des opportunités partout.